Ok les poulets, aujourd'hui on se retrouve donc le mardi 27 avril pour notre deuxième séance de la semaine, après donc la routine de mobilité numéro 2. Vous avez aujourd'hui deux AMRAP en fonction de votre niveau, soit un AMRAP de 7, de 8 ou de 9 minutes. Ok. Vous partez donc sur ce premier AMRAP de deux exercices avec, pour commencer, des pistoles. Ok, sur la vidéo vous avez différentes petites adaptations si jamais les pistoles ça vous pose problème. Mais sinon on essaie de faire 3 pistoles jambes droite, 3 pistoles jambes gauche. Ok, on essaie de bien toujours passer ce creux des hanches sur les lignes des genoux et de remonter sur l'extension complète. Dès qu'on a fait nos 6 pistoles, on a ensuite 12 pompes and release. Donc on vient se placer en position de pompe, on vient toucher la poitrine au sol, on décolle les mains pour bien montrer qu'on est poitrine au sol. On remonte sur l'extension complète des bras à la fin du mouvement. D'accord. Si vous avez besoin de vous mettre sur les genoux, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Empêchez justement cette petite vague de juste la surélévation du buste et de venir cambrer ce bas du dos. Gardez toujours cet alignement bien propre et droit. Ça, c'est sur ce premier AMRAP. Dès que vous avez fait votre premier AMRAP, on récupère 2 minutes. Puis ensuite, un deuxième AMRAP apparaît. Là, on part sur un changement. D'accord. On avait fait de la poussée et des jambes sur cette première partie. Là, en inverse, la poussée devient un peu plus faible en termes de répétition et plus compliquée. Et le travail sur les jambes, un peu plus simple, mais avec plus de répétition. D'accord. On part sur des HSPU, okay, donc des pompes en poirier contre le mur, on vient contrôler la descente, on vient toucher cette tête, ce coussin au sol, on remonte sur l'extension complète. D'accord. Vous pouvez faire des pec push-ups si jamais ça vous pose problème, ou rester sur des pompes si vraiment aujourd'hui les pec push-ups ça pose des soucis. Dès que vous avez fait ça, vous avez ensuite des goblet squats. On a la charge à la poitrine, on vient contrôler ce creux des hanches sous la ligne des genoux, on descend ses fesses, donc sous ses genoux, on remonte sur l'extension complète avec toujours cette charge devant, donc que ce soit une haltère, une kettlebell, un sac, la grand-mère, je vous laisse le choix. On essaye de rester régulier au fur et à mesure justement de ces AMRAP, d'accord. Essayez de viser, je pense, pour ce premier AMRAP, on va dire minimum pour les plus énervés aux alentours, minimum, je dis bien minimum 4 tours. Ok, on peut aller chercher sans doute plus, sans souci sur ce mouvement, mais essayez au moins de vous fixer cet objectif de 3-4 tours. Ok, que ce soit sur la AMRAP 1 ou la AMRAP 2. Bon courage à vous, à la prochaine.